Bonsoir. Amadou Soumaoro dirige toujours l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le président sortant a été réélu ce matin à la tête de l'institution. On en parle en tout début d'émission. Et comme tous les mardis, Mélissa Diodié sera là au cours de cette émission pour nous aider à mieux comprendre les textes de loi. Aujourd'hui, nous parlons avec elle de plaintes contre les forces de défense et de sécurité. La question c'est, peut-on porter plainte contre les forces de défense et de sécurité? La réponse tout à l'heure. Et Geoffroy Julien Kouaou est juriste, il est politologue également et écrivain. Il nous rejoindra sur le plateau dans la deuxième partie du Live Talk en sa compagnie. Il sera question, entre autres, du procès Amadou Erémi et du verdict de la CPI sur l'acquittement de l'ex-président Gbagbo. Débats et analyses, décryptage de l'information, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans les Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, bien bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur les... Pourquoi vous me regardez comme ça, Rihanna? Vous me perturbez, arrêtez. Pas du tout. Bonsoir, Rihanna. Bonsoir, Brice. Alors, la phrase, c'était, vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Tout à fait. Vous êtes magnifique, Rihanna. Merci. Sly, qui a la caméra à ma droite, disait, on a l'impression que vous venez de la piscine. Wow. Tant vous êtes fraîche. Je ne suis pas très sûr que ce soit un super compliment. Hein. Quand tu sors de la piscine avec le chlore, t'es pas vraiment fraîche. Hein. T'es pâle, t'es blanche. Hein. Moi, je suis là, il faut revoir tes copines. Non, c'est l'effet James Bond Girl qui sort de l'eau, tu vois. De l'eau peut-être, mais de la piscine, non. C'est pas l'image que tu as, non. C'est l'image qu'on a dans les films, en fait. Ah, c'est ouais, ce qu'il décrit. Okay, ouais. La sortie de la sirène, là. Ok. Alerte à Malibu. Voilà. Non, c'est bon. Non, ok. C'est bon. Très bien. La prochaine fois, Serge, ne parlez pas dans mon compliment. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci. Rabia Diallo, comment allez-vous, madame? Ça va, merci. Et vous? Ah, je vais très, très bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Madame Bleu, comment allez-vous? Très bien. Quelqu'un m'a demandé hier, ah, on a l'impression que madame Bleu, elle est méchante. Pourtant, je n'en ai pas l'air du tout. Qui a dit? J'ai dit, vous ne la connaissez pas. Elle est magnifique, elle est adorable, madame Bleu. Je suis bienveillante en plus. C'est bizarre, quelqu'un m'a dit ça hier aussi. Je me suis dit, mais où est-ce que tu vas chercher ça? Ah, c'est dommage. J'aurais sûrement une institutrice. Hein, cette exactement, ouais, je crois que c'est ça. Surtout quand je porte mes lunettes. Une forme de. Mais c'est bon, ça va. Mais ça va, j'ai réussi à convaincre la personne. Ah, c'est elle bien. A un autre regard sur vous aujourd'hui. Je sais que tu es mon meilleur supporter. C'est le moins qu'on puisse dire, madame. Donc moi, j'attends mon compliment. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Je disais que moi aussi, j'attends mon compliment, du coup. Très bien. Voilà. Avant la fin de l'émission. Elle est magnifique, elle est magnifique. Vous avez un joli stylo, Rabia. Ah. Vous êtes magnifique, Rabia. Faites merci pas attention beaucoup à ce monsieur. Je sais pas ce qu'il a mangé. Et j'ai un magnifique stylo. Voilà, tu ne diras pas le nom de la part. Il y a eu une petite info pour nous. Toujours. Alors ce week-end, en scrutant les réseaux sociaux, on a pu remarquer ce petit buzz là autour du rappeur américain Lil Nas X. D'abord à cause de son clip, donc, qui a soulevé pas mal de dénonciations carrément. Hein. Mais surtout à cause de cette collaboration qu'il a eue avec la marque Nike, justement pour sortir les Satan Shoes, donc les chaussures sataniques. Attention, ce n'est pas une collaboration avec Nike. D'ailleurs, Nike a porté plainte contre une association d'artistes en fait, qui ont designé la chaussure. Oui. Nike n'était pas au courant. Ce qu'ils ont utilisé. Mais en tout cas, ils ont utilisé la chaussure Nike justement pour sortir ce modèle de chaussures. Et même dans les semelles qui sont les chaussures de Satan. On retrouve même dans les semelles en fait, du sang, du vrai sang, donc, qui s'est mis, c'est du design, soi-disant. Il faut savoir que ça a été sorti en 666 exemplaires, donc je pense que vous savez un peu à quoi a trait ce nombre. Et puis, quand même, la paire est vendue à plus de 800 euros. En tout cas, 18 dollars, je pense. À 1018 dollars, ouais. Donc l'équivalence, on va dire, à peu près. Et en tout cas, une chose est sûre, ça a été dénoncé, même par des responsables américains, notamment à prendre, par exemple, la gouverneure républicaine de Dakota du Sud, qui disait « Nous sommes engagés dans un combat pour sauver l'âme de notre nation », comme si l'âme de la nation était en pleine perdition, on va dire. En tout cas, ça a fait le buzz. Et puis, ils ont parlé même de décadence à un moment donné. Non, mais oui, la décadence, oui, mais après, d'autant plus que sur cette chaussure-là, en plus, vous avez une référence à la Bible, un verset de la Bible, Luc 10, 18, oui, où on vous parle de la chute de Satan, de Satan. Du ciel sur la terre.
C'est plus que de la décadence. Mais après, il y a même des églises. Mais par contre, les 666 pères sont partis comme des petits pains. Des petits pains, ouais, faut le dire. Bon, chacun pense. Après, c'est du marketing. Moi, je joue à son buzz. Et puis, il y a de grandes légendes urbaines. Il y a des gens qui utilisent de grandes légendes urbaines. J'en connais un. Après, la question à soulever, c'est est-ce qu'il n'y a pas de limite, justement, au buzz, au marketing? Est-ce qu'on ne préserve pas, quelque part, on va dire, l'intégrité de la société? Est-ce qu'on ne préserve pas les gens urbaines? Les gens d'urbaine, mais il faut voir le clip, il termine le clip quand même en faisant un lap dance sur les genoux de celui qui est considéré comme étant le diable dans la vidéo. Dans les commentaires, les différents commentaires que j'ai vus sur les réseaux sociaux, en tout cas particulièrement sur Twitter, parce que c'est surtout sur Twitter que la discussion a lieu, que le buzz a eu lieu. Pour certains youtubeurs qui ont critiqué, qui ont en tout cas commenté la vidéo, j'ai vu les remarques qui disaient, mais est-ce que vous avez déjà vu le diable pour pouvoir savoir que la personne qui figure dans ce clip est exactement le diable. Même le fait savoir. Donc, j'ai regardé les commentaires. C'est vrai qu'il y a deux côtés, hein, forcément. Il y a ceux qui le soutiennent ou bien qui apprécient le travail artistique de son clip. Et puis ceux qui dénoncent. Il y a un grand travail artistique. Maintenant, derrière, c'est vrai qu'ils ont parlé de décadence. Mmh. Mais bon, on a beaucoup d'artistes, rappeurs, rappeuses ou autres, qui ont des clips vidéo encore plus déjantés, encore plus sexuels, qui passent à des heures d'écoute, qui sont diffusés sur les réseaux sociaux ou bien pendant des shows télé comme les Grammys Awards. Je pense que la décadence a commencé depuis très longtemps. On parle peut-être de sexe, on parle de choses... Tu prends l'époque de Elvis Presley, par exemple, où la musique d'Elvis Presley, donc le rock and roll, était considéré comme la musique du diable. Et aujourd'hui, il fait partie du Hall of Fame. Il n'y avait pas de titre sur Je ne défends pas, mais je veux dire que je pense en perspective. Satan Choose, par exemple, oui, mais c'est la chanson de Satan. Moi, ce que je pense sincèrement, c'est que c'est du buzz. C'est juste pour faire du buzz parce que ces légendes urbaines, elles existent. Et quand on parle de décadence sociale, c'est-à-dire on est tellement dans un monde où tout le monde se dit on est libre de croire ou de ne pas croire. Peut-être que tout ça, c'est des légendes. Donc, autant surfer sur ça. Et puis, voilà. Mais pour moi, ceux qui sont dans ces choses occultes ne s'exposent pas comme ça et n'en font pas aussi bien, aussi ouvertement de la promotion. Et encore, autre chose. C'est peut-être que les choses sont en train d'avancer et que justement, on arrive. En général, c'est vraiment des messages subliminaux où on voit certaines choses et on se rend compte qu'il y a des signes. Et voilà. Non, mais pour moi, c'est pour le buzz. Parce que ce soit du buzz ou pas, qu'il soit dans l'occultisme ou pas, ce qu'il fait a une influence justement sur ceux qui le suivent. Donc, ses followers et tout ça. Il a été reproché de vouloir d'influencer la jeunesse. C'est le cas. On est dans un cas de blasphème, qu'on le veuille ou non. On utilise des versets bibliques justement pour illustrer ce qu'on fait qui a trait à Satan. Bon, c'est particulier. Je me mets à la place peut-être de bouddhistes qui n'ont pas la même religion judo-chrétienne. On en parle justement en disant simplement que la tolérance s'est définie comme le respect de la différence de l'autre. Oui, moi je respecte. Et puis à un moment donné. Franchement, je respecte et je dis chapeau par rapport en termes de conception, à la conception créatrice. Il y a eu un travail. Déjà, lui, c'est un gars qui est super audacieux. Bien avant ce clip-là, il nous avait fait des photos où on le voyait avec des implants de sein. Voilà, parce qu'il a affirmé son homosexualité bien avant, même depuis son premier single. Donc oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'audace, c'est un artiste qui va jusqu'au bout de sa créativité, ça je le respecte pour ça, mais à un moment effectivement la liberté des uns commence ou celle des autres s'arrête. À quel niveau est-ce que sa liberté à lui s'arrête et à quel niveau est-ce que la nôtre commence par rapport à l'influence que son message a vis-à-vis du public et surtout du jeune public? C'est la question mais qui reste posée. Moi, ce que je comprends... Ouais. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je peux comprendre que ça vous choque. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. Aujourd'hui, plein d'autres clips revêtent tout ce que le diable prône. Il y a une plaque d'immatriculation qui a été critiquée parce qu'elle avait un certain nombre de sites à l'intérieur. Mais quand tu prends à l'époque le clip de Virgin, si je ne me trompe pas, Virgin, de Madonna, par exemple, où elle faisait un bisou à un Christ qui, en plus, était noir. Mais à l'époque, ça avait fait un tollé. Oui, on parle d'une trentaine d'années. Même les Beatles, à l'époque, on disait qu'ils avaient signé un pacte avec Claudia. Si vous les écoutez à l'envers de leur titre, vous allez entendre un message. En tout cas, il a réussi son coup. Oui, non, tout le monde en parle actuellement. Voilà. Une petite info. Il a réussi son coup, tout le monde en parle actuellement. Voilà, justement. En tout cas, franchement, artistiquement, c'est un chef-d'œuvre. Le tour de l'actualité, la société d'information, c'est maintenant. Je crois qu'il faut qu'on y aille.
Ça, c'est beaucoup plus factuel. C'est chez nous, c'est en Côte d'Ivoire. Et c'est l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, eh bien, pour sa séance inaugurale, pour la législature 2021-2025. Cette séance inaugurale a lieu aujourd'hui. Elle a été marquée donc par la réélection du président Amadou Soumaoro à la tête du perchoir. Au perchoir, effectivement, et tu as parlé de la législature de 2021 à 2025. Donc, je rajouterai de la deuxième législature pour la troisième République. Alors, donc, il s'agit de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Quatre députés avaient officiellement proposé faire acte de leur candidature, donc pour le poste de président. Il s'agit notamment de Madame Mariam Traoré, donc qui est députée à Tengrela, pour le compte du RHDP, Monsieur Konaté Vassiriki, donc élu à Séguélon Bonga, également du RHDP, Amadou Soumaoro, donc élu à Séguéla, et toujours du RHDP, et enfin Nzi Nda Afoué Eliane, qui est députée à Bokanda, pour le compte du PDCI. Alors, juste avant que les députés ne passent au vote, Konaté Vassiriki et Mariam Traoré ont finalement retiré leur candidature, respectivement pour la discipline du parti et surtout au profit du candidat commun au parti. Donc, il y a eu un consensus pour le candidat Amadou Soumaoro. Donc, on a eu donc finalement deux candidats qui sont allés aux élections. Donc, Amadou Soumaoro et Nzi Afoué Eliane du PDCI. 247 députés ont participé au vote. Et cette élection a enregistré 4 bulletins blancs. Tu souris. Amadou Soumaoro a été donc élu avec 158 voix exprimées, environ 63,97%, quand la candidate Nzi Nda Afoué Eliane de l'opposition récoltait, elle, de son côté, 85 voix. Et il faut savoir que le jeudi 1er avril, donc, l'Assemblée nationale procédera à l'ouverture de la session, de sa session ordinaire 2021. Et le président nouvellement élu a prévu, en tout cas, de faire son discours inaugural à cette occasion. Il faut savoir également que, pour rappel, Amadou Soumaoro a été élu pour la première fois président de l'Assemblée nationale le 7 mars 2019. En remplacement de Guillaume Soro, qui avait démissionné de ce poste le 8 février 2019. Il avait obtenu à cette élection 153 voix sur 158 votants. Les députés issus des trois groupes parlementaires, dont le PDCI et Vox Populi, avaient à cette époque boycotté le scrutin. Voilà. On avait estimé que l'Assemblée nationale était monocolore. Était monocolore à cette période. Bon, c'était un choix également de leur part de boycotter. L'élection. Bon, on a déjà la première chose qu'on remarque, c'est le timing. Hein, retour, j'ai envie de dire retour gagnant. Retour gagnant pour lui, et je pense que bon, après, avec tout ce qui se disait autour de lui, toutes les supputations des médias autour de son état de santé, de la fragilité de son état de santé, il était important pour lui de venir reprendre sa place et de pouvoir également faire comprendre qu'il est toujours présent et qu'il doit être là, en fait, pour son parti surtout. Ça fait tiquer quand même les observateurs, certains observateurs. Hein. Bon, le timing, il est arrivé un samedi. Un peu trop juste. Ouais. Oui, il est arrivé samedi. Non, après, calculer, bon, il revient faire son travail. Je pense qu'il y avait les élections législatives. Voilà, l'Assemblée nationale est en train d'être recomposée. Donc, voilà, il revient prendre sa place. Mais quand vous allez en vacances, par exemple, en vacances scolaires, vous connaissez la date de la rentrée. Donc, vous revenez en fonction de cette date-là, vous vous organisez. Donc, Dieu merci, justement, si la santé n'a pas été un frein, rien ne l'empêchait de venir, même la veille. En tout cas, j'espère qu'avec ses vacances qu'il a pu prendre en griffe, qu'il est revenu d'attaque, en tout cas pour travailler, reprendre sa place, et que voilà, que peut-être la fragilité de son état de santé qui a été discutée sur les médias depuis ces mois, que cela ne soit pas un handicap, en tout cas pour les prochains mois, pour qu'il puisse bien son travail. Il avait plutôt bonne mine, même s'il paraissait un peu amaigri, mais il a bonne mine. Bah oui. Alors, on le disait, on a un président de l'Assemblée nationale. Le président du Sénat également qui est Normand Rabian disait dans une semaine. Dans une semaine, ils font leur ouverture de session également. Donc. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, lorsque l'Assemblée nationale est connue, en tout cas, elle fait sa session ordinaire de démarrage, on peut maintenant passer à
à la nomination des membres du nouveau gouvernement. Donc on a vu également, on a eu des signaux assez intéressants puisque le président de la République a nommé M. Abdourahman Cissé comme nouveau secrétaire général de la présidence. Mmh. On sait que c'est un jeune, il y a 3 ans de différence entre lui et moi, donc il est né en 81. C'est un technocrate, je tenais à le préciser, ouais. Ancien ministre du pétrole et des mines. Donc il est connu en tout cas pour être rigoureux, bosseur, travailleur. On ne le voit pas partout, en tout cas beaucoup. Mmh. On le voit vraiment travailler. En tout cas moi, par exemple, sur des activités où il faisait le lancement d'une école des mines et pétrole en Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, on verra bien ce que ça donne. Est-ce que ce n'est pas un signal donné par le président pour le prochain gouvernement, avec peut-être, pourquoi pas, des technocrates, des jeunes technocrates qui pourraient faire partie de ce nouveau gouvernement. On a soif de voir ça. Hein. On a, oui, mais, bien sûr. Mais déjà, le Premier ministre, il en est un, quelque part. Exactement, c'est un technocrate. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'âge, mais je pense que peut-être qu'il y aura une sorte de balance entre voilà, ces technocrates qui viennent de, on ne crie pas de nulle part, mais en tout cas, qui viennent pour bosser. Oui. Et puis l'ancienne garde qui est fidèle au président de la République, qui est là depuis des années et qui l'accompagne. Donc je pense que... On aura une bonne complémentarité en fait. Voilà, il est certain qu'on aura une bonne complémentarité, mais on l'espère en tout cas, on verra bien ce que ça va donner dans le choix des membres du nouveau gouvernement. Ah, on peut terminer cette phrase que je n'ai jamais pu terminer. Mm-hmm. C'était donc on a un président de l'Assemblée nationale et un premier ministre également qui a pris ses fonctions aujourd'hui. Mm-hmm. Bon, on n'a toujours pas de vice-président. Toujours pas, oui. Voilà, et puis on aura, vous l'avez dit, certainement dans les prochains jours, un tout nouveau gouvernement. Mm-hmm. Tu as dit qu'on n'a pas de. Pour l'instant, on n'a pas encore de nouveau vice-président, mais je pense que toutes les cases sont en train d'être remplies. Il y avait des postes vacants, donc le président du Sénat. C'est sucé en place. Voilà, tout se remet en place, en tout cas. Alors, le nouveau Premier ministre, Patrick Hachi, a pris ses fonctions. Combien d'années de différence entre vous ? Comme je m'intéresse aux jeunes, tu vois, j'ai pas trop calculé. Mais je pense que. La réponse était plus forte que la question. Ah non, oui, je sais que tu me guettais sur ça. Mais c'est déjà bien de savoir que les choses sont en train de bouger, de changer. On verra bien si, en termes de nombre aussi, il y aura un certain allègement au niveau du gouvernement. Parce que, bon, après, c'est des dépenses publiques. On recherche l'efficacité, l'efficience. On verra bien si ce nouveau gouvernement également répondra à ces nouveaux critères. Le président de la République a appelé à une nouvelle génération. Donc, je veux dire, une nouvelle génération, pas dit forcément jeune en tranche d'âge, mais on peut être par exemple jeune et avoir un esprit vieux, par exemple. Donc, c'est surtout des gens qui ont un esprit smart. Ce qui n'est pas votre cas. Pardon ? Ce qui n'est pas votre cas du tout. Ah oui, je n'ai pas un esprit vieux, absolument pas. D'accord, bon. Alors, on va rechercher, nous, vous n'avez pas le renouvellement de jeunesse, de compétences. Pour l'instant, je n'ai pas encore de nom qui circule. Bon, on verra bien ce que ça donne dans les prochains jours. On a hâte de voir surtout la représentativité des femmes. C'est là où on attend la recomposition du nouveau gouvernement. On n'en a pas parlé pour l'Assemblée nationale. Et là, c'est un choix. Comme le disait Dr. Aminata Khan, lorsqu'elle répondait à ta question, on a des femmes compétentes au niveau des différents partis politiques. Ça ne manque pas. Donc je pense et j'espère qu'au niveau de ce nouveau gouvernement, des femmes seront nommées parce qu'elles ont les compétences, parce qu'elles ont fait leurs preuves et parce qu'elles ont la possibilité d'apporter un souffle nouveau à ce gouvernement. Il y en avait déjà, voilà. Mais il y a des femmes également qui ne sont pas forcément dans les partis politiques, parle de nombre. Mais qui sont compétentes. Je parle de parité. Également. Oui. J'en ai en face de moi, hein, des femmes compétentes qui peuvent aussi, pourquoi pas... Et à côté de vous aussi. Mais à côté de moi aussi. Tout à côté de moi, voilà, tout autour de moi. Qui peuvent être appelés et servir leur pays, pourquoi pas, dans leur domaine d'activité et dans leur domaine de compétences. Pourquoi pas. Moi, ce que j'avais quand même envie qu'on highlight un peu, c'était le score de la candidature féminine quand même, qui est assez intéressant. On parle d'un peu plus de 35%. 36% quand même de score. Au niveau du vote du président. De la présidence de l'Assemblée nationale, voilà. C'était quelque chose aussi qu'on devait mettre. Elle n'a pas gagné, mais quand même, elle a osé. J'ai bon espoir parce qu'il y a eu quand même un support et un engagement derrière elle qui n'est pas forcément que féminin. Mm-hmm. Donc voilà. Je pense que le PDCI a fait le choix par son président Henri Konan Bédié, a fait le choix d'une candidature féminine cette fois-ci pour son parti. Même, je pense que peut-être c'est une forme de rattrapage.
pour le fait que les 30% de quota de représentation féminine à l'élection, aux élections législatives, n'est pas pu. C'est une spéculation. N'est pas pu demain, être. Non, c'est le dernier jour de pas mars. Pu être, voilà. c'est le dernier jour de mars, toi, oui, oui, on continue toujours. Voilà, que ce quota n'a pas pu malheureusement être respecté au niveau des critères de la commission électorale indépendante. Peut-être, comme je le dis, c'est une spéculation. Peut-être que c'est une telle manière également quand même de se rattraper. Voilà. Une candidate aussi du RHDP, hein, candidate féminine. Donc, avant d'avoir les deux derniers, on a eu une candidate du RHDP. Oui, mais elle s'est retirée pour les questions de discipline. Elle s'est retirée, mais elle a quand même osé. Discipline, discipline. Oui. Discipline de parti. De parti. Attention. Oui. Discipline de parti. C'est ça, il faut bien. On précise. Discipline de parti. C'est une question de discipline, Justine. Discipline de parti. La discipline, c'est important. Mais ça peut être mal interprété si on s'arrête voilà. à discipline. Oui, oui. Non, voilà. C'est pour ça que j'ai dit discipline du parti. Ouais. Ouais. Discipline de parti. Sophie a déjà dit « we do our homework ». Il faut faire ses homework. Exactement. Parce que sinon, si on s'est arrêté sur discipline, ça pourrait être chaud quand même. Ouais. Mal interprété. Et je vois tout de suite les commentaires là. Ouais. Mais bon, heureusement, on a été fin. On a eu l'esprit vif. Ouais. Bon, merci Madame Bleu. Hein, pour... On va dire quoi ? Bonne rentrée à nos parlementaires. À nos parlementaires. Voilà. On attend de les voir travailler, être actifs, être dynamiques sur leurs différents sièges, proposer des lois, débattre, contredire et puis aussi mettre sur un fauteuil blanc les ministres à qui ils vont demander des comptes également. Très bien, en tout cas, j'ai vu sur les pages Facebook de nombreux députés, oui, à l'Assemblée nationale, chacun avait son... C'était bien. Et n'oublions pas aussi la plus jeune députée, celle de Goïtafla, qui a moins de 40 ans. Je pense que si tout se passe bien, on devrait l'avoir sur le plateau. Ah, ce serait génial. Voilà. Mmh. Ce serait génial. Bien, ouais, une femme dynamique. Très, très dynamique. Merci, Madame Bleu. On va refermer les portes de notre live actuelle aujourd'hui, vous l'aurez noté, essentiellement consacré donc à cette séance inaugurale donc, de l'Assemblée nationale pour la législature 2021-2025. Que dit la loi ? C'est juste après ça. Pendant que nous rejoint... Merci Madame Diallo. C'est ce que je m'apprêtais à faire. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Madame Diallo, ne bougez pas. Bougez pas. Je vois là. Merci beaucoup. Après vous. Voilà, vous êtes ajouté. Oui. Voilà, petit remplacement. Mmh. Voilà. Je vous aurais même accompagné, histoire de vous dire la prochaine fois. Merci. Oui. Bonne soirée, Madame Diallo. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, Mélissa Didier nous a rejoint sur le plateau du TOC pour Que dit la loi ? Bonsoir Mélissa. Bonsoir Brice. Comment ça va ? Ça va bien. Très très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mélissa. Alors, on l'a annoncé. Peut-on aujourd'hui porter plainte contre les forces de défense et de sécurité ? Quand on sait qu'en général, c'est là-bas qu'on va porter plainte, mais est-ce qu'on peut porter plainte contre eux-mêmes ? Alors, la réponse simple est oui. Mais comment faire ? Super. Donc, on entend souvent... On entend souvent des histoires qui impliquent les forces de l'ordre et de sécurité. Et la conclusion en général dans la population est de dire en fait qu'ils sont un peu au-dessus de la loi et qu'il n'y a pas vraiment de recours. C'est la perception. C'est la perception. Et ce n'est pas toutes les forces de l'ordre qui commettent des infractions. Malheureusement, c'est une infime partie, mais ils entachent. Quand ça arrive, est-ce qu'il y a une possibilité ? Ça existe ? Effectivement, donc, souvent on entend menaces, intimidations, bagarres, voies de fait, donc usage de la violence sur un civil, par exemple. Donc oui, il existe des recours. Donc ce genre d'exemple que je vous ai donné, on appelle ça des infractions pénales. Et quand il y a une infraction pénale, en fait, l'organe qui s'en occupe est le tribunal militaire. Donc comment ça fonctionne ? La première étape est d'aller porter plainte. Où est-ce qu'on va porter plainte ? On va porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Mais est-ce qu'il y a la possibilité que la plainte soit rejetée ? Alors, normalement, ils ont l'obligation, lorsque c'est une infraction pénale, donc comme j'ai cité, par exemple, intimidation, menace, racket, abus de pouvoir, etc., ils ont l'obligation de prendre la plainte. D'accord. Donc, ce qui arrive, parce qu'on a déjà entendu quand même, on a tous entendu une petite histoire où on a eu un proche ou un lointain ou une histoire Facebook qui dit « j'ai tenté de porter plainte, admettons, à la gendarmerie, à la police, et on a tenté de me dissuader de porter plainte. Mm-hmm. » Si on ne se sent pas à l'aise, admettons, ou en confiance, on peut directement porter plainte au tribunal militaire. Donc, on peut aller déposer notre plainte directement au tribunal militaire. Donc, il y a ces deux voies-là qui existent. Donc, comment ça fonctionne ? Une fois qu'on a déposé la plainte,
on va donner notre version des faits qui va être écrite. Il y aura une enquête préliminaire qui va être faite sur les faits en question avec témoins, preuves qu'on pourrait avoir. Et il y a un PV qui est écrit et qui est envoyé au commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement ensuite va analyser tous les PV, donc analyser toutes les plaintes et faire un peu le tri de celles qui relèvent du pénal. Donc le pénal, c'est quoi? En fait, le droit pénal, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles, en fait, qui interdisent et qui sanctionnent certains comportements qu'on juge non acceptables dans la société. Donc comme j'ai cité, comme les vols, bagarres, etc. Mmh. Donc une fois qu'il va analyser ces PV-là en question, il va choisir maintenant de poursuivre ou non, en fonction, est-ce que j'ai des éléments de preuve, est-ce que ça relève bien du pénal. S'il estime qu'il y a matière à poursuite, il va faire un ordre de poursuite qu'il va envoyer au ministre de la Défense. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le ministre de la Défense qui a le pouvoir, en fait, de poursuivre un membre des forces de l'ordre et de sécurité. D'accord. Okay. Donc, si le ministre estime qu'il faut poursuivre, il va alors signer l'ordre de poursuite et, en fait, transférer, si vous voulez, déléguer ses pouvoirs au commissaire du gouvernement qui porte maintenant sa casquette de procureur militaire. Mmh. Donc, quand il est procureur militaire, il a le droit maintenant de poursuivre pour l'accusation en question, donc qui faisait l'objet de la plainte. Donc là, maintenant, il va poursuivre, donc il va saisir le tribunal militaire et il va avoir maintenant le procès avec les accusés, avec les présentations des preuves, etc. Et à la fin, il y aura ce qu'on appelle le verdict, qui va soit gracié, donc innocenté, et jugé qu'il n'y a pas, par exemple, suffisamment d'éléments ou que tout simplement, il n'y a pas eu infraction, ou qui va, au contraire, condamner. Donc, ils peuvent avoir amende, emprisonnement et même radiation du corps dans lequel ils appartiennent. Mais le processus est quand même assez long, hein. Certains diraient... Et tout dépend de la gravité aussi des faits. C'est-à-dire que si le commissaire du gouvernement, parce que c'est lui le premier filtre, on va dire, s'il juge que les faits ne sont pas susceptibles d'aller en pénal... c'est tout dépend de sa décision au regard des preuves. Ce dit, en fait. Donc c'est vraiment selon la gravité des faits. Je ne dirais pas que c'est selon la gravité. Je pense que en fait toutes les peines sont plus ou moins analysées au même titre. Après, il y a peut-être une décision qui est faite parce que la justice c'est la justice, mais il y a aussi une question de preuve. Mm-hmm. Mais si je dois porter plainte parce qu'un policier ou un militaire vient juste crier sur moi, bah après à un moment donné, il a crié sur vous. Comment vous arrivez à prouver cela? Il y a une pré-enquête, j'ai envie de dire, déjà pour certifier que ce qu'on reproche à quelqu'un mérite qu'on enclenche une procédure. De toute façon, nous ne sommes pas le tribunal. Hein, et je pense que Miss Didier vient nous instruire sur le fait qu'il est possible déjà, en tout cas, de porter plainte contre un représentant des forces de l'ordre. Et c'est ce qu'on doit retenir. Hein, Je pense pas que le commissaire écarte automatiquement ou systématiquement en fonction de la gravité. Mm-hmm. Parce que je pense que peu importe la gravité, il y a des sanctions, parce que les sanctions vont être plus ou moins graves également. C'est ça. Ensuite, une fois qu'ils ont l'ordre de poursuivre, il va faire son travail. En réalité, même le commissaire, donc le militaire, le procureur militaire, encourage les citoyens victimes, en fait, d'infractions à porter. Et c'est déjà, ça s'est déjà produit. Ce serait bien qu'on parle un peu de ces infractions, là aussi, parce que même dans l'acceptation populaire, on a tendance à croire que les représentants des forces de l'ordre ont le droit d'user de la force physique sur les citoyens. Et ce n'est pas le cas. Et justement, ça peut faire l'objet de plaintes. Et justement, je pense que s'il y avait des plaintes qui étaient déposées, peut-être un peu plus souvent, peut-être que ce genre de cas, qui malheureusement... ne serait pas aussi récurrent. On voit... Et prenons par exemple un cas pratique. Elle existe, ces plaintes-là. Il y en a, par exemple. Bon, par exemple, moi j'ai un exemple plus sérieux, mais on a eu l'affaire de Laurent Pokou, un ancien footballeur qui s'est fait abattre par 3 policiers. Par 6 policiers. Et au final, la conclusion, ils ont été poursuivis, il y a eu des peines d'emprisonnement pour ces policiers-là. Donc, il existe des recours et il existe aussi des sanctions. On peut porter plainte, en fait. Et par exemple, je prends le cas où je suis locataire chez un propriétaire donc, qui est une autorité, qui fait partie des forces de l'ordre. C'est pas mal, et, que, c'est le beau lien. Voilà, je dois récupérer ma caution parce que je suis en train de quitter le domicile en question et il refuse de payer ma caution. Il me dit, ça n'ira pas quelque part. C'est un exemple, ça n'ira pas quelque part. Comment je fais? Quel est le recours que je peux avoir pour pouvoir me plaindre et faire de telle sorte que cette personne des forces de l'ordre puisse me rétribuer
ma caution. Vous allez être très sceptique. Alors, alors dans le cas en question, lorsque un bailleur refuse de donner, de retourner la caution, si jamais tous les travaux ont été faits et qu'il n'y a pas en fait une question par rapport à l'état des lieux, normalement c'est une question civile. Maintenant, s'il rentre dans des questions d'abus de pouvoir ou d'intimidation, écoutez, je suis militaire ou policier, vous ne pouvez rien faire et je ne sais pas moi, si vous continuez, je vais vous faire enfermer, par exemple. Ça ne va pas aller quelque part. Là, là on est dans des cas justement d'abus de pouvoir, d'intimidation et ça rentre dans du pénal. C'est donc une infraction pénale. La plainte peut même être portée pour les deux motifs. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont traiter le côté pénal, mais qui ne peut pas forcément être dissocié du civil. Donc, pour la partie civile, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tribunal militaire n'a pas compétence. Donc, normalement, il ne traite pas de matière civile. Par contre, souvent, pour des questions civiles, donc notamment peut-être le cas de la caution ou la pension alimentaire, ou je ne sais pas moi, justement, il refuse, lui, en tant que locataire, de payer, par exemple, le loyer. Ça, c'est des questions qui sont civiles, parce que normalement, on ne va pas en prison parce qu'on a refusé de payer un loyer. Donc, mais le tribunal militaire va quand même souvent jouer un rôle de médiateur et faire un règlement à l'amiable pour ces situations-là. Okay. Mais sinon, ça va être transféré. Juste une petite question. Combien a-t-on il existe combien de tribunaux militaires? Il existe un seul tribunal militaire. C'est suffisant, ça? Il est basé à Abidjan. Alors, là est la question. Donc, je pense qu'il y avait des questions de développer d'autres tribunaux militaires. Mais déjà, on en a un. Il fait son travail. Il fonctionne. Et vous pouvez aller porter plainte. Voilà. Et c'est ça qu'il fallait retenir. Ce soir, c'était peut-on porter plainte contre un élément des forces de défense et de sécurité? On a la réponse ce soir à travers donc, cette intervention de Mélissa Diédi. Oui, c'est possible. Mais, petite recommandation, assurez-vous que vous avez bien des raisons de le faire. Bah, oui. Mais même sans raison, hein. Au pire, ça n'y aura ça juste pas poursuite. Comme on dit. Parce que là, comment on juge qui a les raisons et qui... Ah ben parce que si lui également décide, lui également a la possibilité de porter plainte contre vous. Mais parce que aussi, je me suis fait gifler par un membre des forces de l'ordre. C'est vrai que je ne peux pas prouver qu'il m'a... S'il n'y a pas de caméra de surveillance, il y a des témoignages, des questions que tout le monde peut se poser. Ok. Non, certificat médical. C'est dans un couloir. Oui. Mélissa, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous retrouve mardi prochain. À mardi. C'est vrai que le débat est très passionné. Chacun a envie de régler un petit compte ici avec. Non, moi j'en ai aucun. Très bien. Avec les forces de l'ordre, je n'ai jamais eu meilleure partie. Très bien. Geoffroy Julien Kouaou est avec nous autour de cette table. Il est juriste, politologue et écrivain. Bonsoir, monsieur Kouaou. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Merci. Ce soir. Monsieur Kouaou, demain, mercredi 31 mars, les juges de la CPI vont statuer sur l'appel du procureur de la CPI relatif à l'acquittement de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Quelles sont les situations possibles? Merci. Il y a trois hypothèses possibles dans l'espèce. Premièrement, le juge d'appel peut confirmer la décision rendue en première instance. Le jugement du juge de première instance portant acquittement de M. Charles Blé Goudé et de M. Laurent Gbagbo. Dans ce cas de figure, c'est la fin du procès. M. Gbagbo et M. Charles Blé Goudé sont totalement libres de tout mouvement. Ils peuvent donc aller où ils veulent. Je posais une question beaucoup de personnes se posent avant le deuxième cas de figure. À partir de là, il n'y a plus rien. Parce que la dernière fois, on avait déjà que c'était... Fini. Après, on a trouvé encore qu'il y avait un appel, finalement, qui devait passer. En droit, on dit que la décision est rendue en dernier ressort. Très bien. Et est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée suppose que la décision rendue prend valeur de vérité absolue. Un autre juge de la CPI n'a pas la possibilité de faire un autre appel. Non. Okay. Si la chambre d'appel confirme le jugement de la chambre de première instance, le procès est terminé. Deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse. La chambre d'appel peut modifier la décision ou annuler la décision rendue par la chambre, n'est-ce pas, de première instance. Dans ce cas, on aura un nouveau procès. La chambre d'appel va demander à la chambre de première instance recomposée d'initier un nouveau procès et évidemment
on est parti pour longtemps. Et quel est selon vous le scénario le plus probable actuellement? Au regard des faits, au regard du contenu du dossier et des décisions rendues en première instance, selon toute vraisemblance, nous sommes bien partis pour que la chambre d'appel confirme le jugement de la chambre de première instance. Mais attention, nous sommes dans un procès judiciaire et surtout pénal. Les rebondissements sont plausibles et possibles, mais selon toute vraisemblance, le parquet, c'est-à-dire le bureau du procureur, n'a pas pu apporter les preuves prouvant la culpabilité des accusés ivoiriens. Et en cas d'infirmation, en tout cas du jugement d'acquittement de 2019, à quoi doit-on s'attendre si on a une infirmation de ce jugement de la chambre de première instance? Comme je vous le disais, nous allons pour un nouveau procès. Oui. On reprend à zéro. Mais il y a un petit paradoxe, certains diront que le président avait dit que plus aucun Ivoirien ne serait transféré à la CPI. Donc, quand on regarde un peu le chronogramme de la CPI qui décide en fait de poursuivre séparément les deux camps, pensez-vous qu'ils iront au bout justement de ce poursuite-là en ressortant justement d'autres dossiers? Non, le président de la République n'a pas d'emprise sur le procès à la CPI. Le procès est déjà devant la Cour internationale et donc la Côte d'Ivoire, même le président de la République n'a plus autorité à la matière. Et c'est donc cela. Maintenant, si par extraordinaire de nouvelles poursuites étaient engagées contre des ressortissants ivoiriens, évidemment, l'État ivoirien, étant un État souverain, même parti de la CPI, c'est-à-dire du traité de Rome de 1998, peut poser, n'est-ce pas, son veto en la matière. Monsieur Kourou, les Ivoiriens, enfin, une partie des Ivoiriens se posent des questions. Alors, certains se disent, bon, on a eu des acquis, des acquis jusqu'à ce niveau-là. Et une décision aujourd'hui peut venir remettre en question l'ensemble des acquis de ce procès-là, juste? Oui, parce que les Ivoiriens ne sont pas habitués au procès, hein, surtout au procès pénal. Hein. Nous sommes des habitués, donc nous savons qu'à tout moment, il peut y avoir des rebondissements. Dans tous les cas de figure, l'affaire concernant les atrocités commises en Côte d'Ivoire dans la décennie 2000 et 2010 n'est pas terminée, n'est pas épuisée. Ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau de la Cour pénale internationale, il n'y a pas de prescriptibilité. C'est-à-dire que si vous commettez une infraction aujourd'hui, même dans 1000 ans, on peut toujours vous poursuivre. On peut toujours vous poursuivre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la CPI agit par complémentarité ou par subsidiarité. C'est-à-dire que lorsque les tribunaux nationaux n'arrivent pas à juger l'affaire, la CPI est compétente. Mais ce qu'il faut faire, il faut dire, et cela est très important en matière pénale, surtout sur le plan international. Par exemple, c'est lorsque des décisions judiciaires ont été rendues relativement à l'affaire à l'interne. Par contre, des décisions politiques, comme par exemple l'amnistie, ne s'oppose pas à la CPI. Parce que la CPI, en fait, recherche la vérité. La CPI est là pour protéger l'humanité contre les prédateurs, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Et donc, une amnistie, par définition, n'est pas une décision judiciaire. Et vous voyez, c'est une émission, n'est-ce pas, du politique, c'est-à-dire du législatif en la matière du Parlement dans les affaires judiciaires. Donc, ce n'est pas une décision judiciaire. Autrement dit, une personne amnistiée peut être toujours poursuivi par la CPI, surtout s'il n'y a pas eu action publique. Je vous explique simplement. Prenons des cas concrets. Allez-y. Madame Laurent Gbagbo, Madame Simone Gbagbo, oui, elle a été jugée en Côte d'Ivoire. Elle a été condamnée. Et après, au moment où elle exécutait sa peine, est venue l'amnistie. Évidemment, l'amnistie met fin à l'exécution de sa peine. Mais une décision a déjà été rendue. Vous voyez? Ça veut dire que la justice ivoirienne a manifesté son désir d'épuiser cette question. A contrario, à l'inverse, par opposition, concernant d'autres personnes pour qui aucune action publique n'a été menée jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'ils n'ont été ni poursuivis, ni entendus sur ces questions, nonobstant l'existence de l'amnistie, mesure politique par excellence, la CPI peut toujours intervenir. Très bien. Quelles sont selon vous, 8 ans après, les raisons qui peuvent expliquer la tenue de ce procès?
La raison principale, c'est l'affirmation et la consolidation de l'état de droit. L'état de droit suppose quoi? L'application de la règle de droit une fois qu'elle est violée, que ce soit par les gouvernants ou par les gouvernés. Et dans l'espèce, plusieurs chefs d'accusation sont portés contre le sieur Amadou Rémy. Pour l'instant, entendons-nous bien, il est présumé innocent. Mais il est évident que lorsque le juge finira de vider sa saisine, on saura s'il est coupable ou pas. Dans certains pays, ils ont opté pour la présomption de culpabilité. En Côte d'Ivoire, c'est la présomption d'innocence. Non, c'est la présomption d'innocence. Vous êtes innocent jusqu'à ce qu'on prouve votre culpabilité. Évidemment. Ok. Et actuellement, le sieur, donc Amadé Ouérémy, se trouve seul dans le box des accusés. Est-ce que vous pensez que son procès pourra solder tout le passif des violences à l'ouest de la Côte d'Ivoire pendant la crise de 2011? Non, là, il appartient maintenant au ministère public chargé de protéger la société ivoirienne, de rechercher tous ceux qui auraient participé à la commission de ces infractions. Pour l'instant, c'est M. Ouérémy qui est devant le juge criminel. Et dans tous les cas de figure, beaucoup d'infractions lui sont reprochées. Par exemple, des meurtres, ouais, 24. De charge, oui. On parle de meurtre, c'est-à-dire homicide volontaire. On parle d'assassinat, c'est-à-dire homicide prémédité. On parle de génocide. C'est-à-dire homicide ciblé contre des populations en raison de leur groupe ethnique et autres. Ce sont des accusations extrêmement graves qui sont assorties toutes de peines d'emprisonnement à vie. Vu l'ensemble des charges qui lui sont reprochées, il est présumé innocent et il est en prison depuis près de 8 ans. Est-ce que, je pense au regard de ces charges, on peut même se retrouver face à un cas de crime aussi contre l'humanité. Et pourquoi la CPI ne s'est pas, n'a pas pris son cas aussi en charge, par exemple? Non, puisque, comme vous l'avez dit, il a été arrêté par les juridictions ivoiriennes. Oui. Et donc, il était en détention préventive. C'est-à-dire que l'action publique est déjà déclenchée. Oui. Donc, le procès a commencé. Voyez, voilà. Vous savez, au niveau d'un procès, il faut voir trois phases. La phase de la poursuite, initiée par le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République. Il y a la phase de l'instruction, où le juge d'instruction intervient pour rechercher, n'est-ce pas, les éléments prouvant de la culpabilité de mise en cause, et la phase du jugement où le juge du siège, c'est-à-dire le président du tribunal, ou dans l'espèce du tribunal criminel, prend la décision finale. 8 ans de détention préventive. Oui, bon, évidemment, c'est là aussi une des plaies de notre justice. Et essayons tous de voir comment nous pouvons corriger cela. Le principe, c'est la liberté. La détention provisoire est l'exception. Malheureusement, dans notre pays, c'est l'inverse. Donc, essayons tous de voir et de revoir notre politique criminelle en faisant des réformes allant dans le sens de la célérité de la justice. Mais en même temps aussi, il faut reconnaître qu'on n'a seulement que 700 magistrats en Côte d'Ivoire pour une population de 23 millions. En principe, selon les normes internationales, on devait avoir 3000 magistrats. Donc, on a un gap de près de 2300 magistrats. C'est chaque année, la lenteur de traitement mais évidemment, des cas. Mais évidemment, parce qu'ils ne sont pas nombreux et les affaires judiciaires sont nombreuses, vous voyez. Et donc, il faudrait peut-être voir dans quelle mesure recruter le maximum de magistrats pour construire le maximum de tribunaux pour pouvoir. Parce que la justice, c'est le troisième maillon de la séparation des pouvoirs. C'est un élément important dans l'appréciation de l'état de droit. La presse, la justice sont les deux critères fondamentaux, essentiels, principaux dans, n'est-ce pas, la mesure de la démocratie dans un État. Je peux vous assurer que pour la question de divorce, ça met du temps. Mais justement, on parle de tant d'années de détention préventive. Est-ce que la loi a donné un délai, justement, à ne oui, pas dépasser? En principe, les détentions préventives, c'est en matière criminelle et autres, c'est entre 2 mois, 3 mois, etc., et 6 mois. Wow. Mais c'est renouvelable, attention, c'est renouvelable. C'est-à-dire qu'on peut renouveler la détention. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que un cas pratique. Monsieur Ouérémy, vous avez dit qu'il a fait 8 ans, c'est ça? Mm-hmm. 8 ans. Okay. Exactement, 8 ans. 8 ans. Supposons qu'à la fin, c'est une hypothèse, hein, voilà, c'est une hypothèse, le juge le condamne par exemple à 10 ans. Il ne fera que 2 ans. Si le juge le condamne par exemple à 5 ans, je dis n'importe quoi, hein, c'est fini, il sort.
voilà, des prisons. Donc, cette période de détention, justement, voilà. Vous n'êtes pas que dit la loi, mais on va poser une question relative à ça. Alors, vous avez dit dans le cas où je prends un citoyen ordinaire, justement, qui a été gardé 5 ans, qui a été condamné à 2 ans. C'est vrai, il sort. Et, comme ça. Oui, mais c'est malheureux, mais non, on va le dédommager de façon symbolique, un franc symbolique, pour lui dire que bon, l'État s'est trompé, voilà. Et l'État, c'est lui aussi, c'est nous, c'est vous, donc c'est trompé. C'est pour cela que la question de la justice est fondamentale. C'est pourquoi je parle du recrutement. Le problème de la justice ivoirienne, c'est le manque de personnel. Il faut voir dans quelle mesure on peut, chaque année, au lieu de 25 personnes, 35 personnes, recruter au moins 200, 300. On a assez de jeunes juristes diplômés. Et puis, bon, peut-être mettre fin à cette inflation institutionnelle. Parce que le problème, finalement, c'est que lorsqu'on rentre dans le système judiciaire, on peut facilement se perdre à l'intérieur. Serge Pachy, poser une question. Évidemment, monsieur Gouin, c'est ça. Serge Pachy, une question. Allez-y. Je peux, madame? Non, 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 mais vu que vous êtes là pour nous instruire un peu sur tout ce qui est procès, hier, par exemple, s'est ouvert en France le procès contre les bombardements de Bouaké en 2004, mais sans les accuser. Quelle est l'analyse, votre analyse de ce genre de procès, oui, sinon de cette procédure judiciaire? C'est un procès par contumace, c'est-à-dire que les principaux concernés ne sont pas présents. Il est évident que ça fausse un peu le jeu. Parce que dans cette affaire, il y a deux principales questions. Qui a donné l'ordre de bombarder le camp? Deuxième question, pourquoi les présumés auteurs arrêtés au Togo ont été relâchés? Selon les autorités togolaises, elles ont informé les homologues françaises qui n'ont pas réagi. Donc ce sont deux questions fondamentales qui peuvent permettre, n'est-ce pas, la manifestation de la vérité. Malheureusement, les accusés n'étant pas là. D'ailleurs, dans cette affaire, on a une certaine tentative de cacher la vérité. Vous savez que Sabine Kéris, la juge d'instruction chargée de l'affaire en France, avait demandé à l'époque que les autorités françaises qui étaient au gouvernement à l'époque, c'est-à-dire le ministre de la Défense, Michel Alliomari, le ministre de l'Intérieur, Philippe de Villepin, et Dominique de Villepin, et le ministre des Affaires étrangères, M. Jacques Barnier, hein, n'est-ce pas, comparaissent devant la Haute Cour de justice française, chargée de juger les ministres. Mais elle n'a pas eu chose. Qui, selon vous, tente de cacher la vérité? Oh bon, écoutez, c'est une affaire extrêmement compliquée, qui rentre dans le cadre judiciaire, mais qui a aussi des relents diplomatiques. Parce que vous savez que la France, la Côte d'Ivoire, c'est le précaré. Vous voyez, c'est vrai qu'avec la gouvernance de M. Gbagbo, il y a eu quelques frictions, mais la Côte d'Ivoire, c'est le partenaire privilégié par excellence de la France. Et aujourd'hui, les deux pays sont très, très, très proches. Ce procès pourrait remettre à jour. C'est un procès pour la forme? Non, pas pour la forme, pour la manifestation de la vérité. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément d'obstacles. Et le dernier des obstacles aujourd'hui, c'est l'absence des présumés coupables. Et donc, il est évident que, nonobstant les témoins, les interrogatoires et autres qu'on aura à ce procès, la manifestation de la vérité sera partielle. Très bien. Monsieur Kouaou, je rappelle que vous êtes juriste et politologue, hein, et puis dernier point, votre appréciation sur cette séance inaugurale au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui? Oui, c'est une bonne chose. La réélection du président Soumaoro. Oui, c'est la reconduite d'une personnalité dont le parti est sorti majoritaire des dernières élections. Mais la réflexion pertinente qu'on peut faire sur l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est le nombre pléthorique de députés que nous avons. Vous voyez, 255 députés pour 23 millions d'habitants officiellement, c'est énorme. Un pays comme le Mali à côté de nous a 147 députés pour presque la même population. Le Niger, 23 millions d'habitants, presque la même chose que nous, a 171 députés. Vous avez répondu, c'est peut-être pas les mêmes réalités. Oui, pas les mêmes réalités, mais aussi, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du problème de la justice, le manque de magistrats pour consolider notre état de droit. Oui, c'est ça aussi. Il faut revoir un peu les choses. Il faut revoir. Vous pointez du doigt une efficience budgétaire? Peut-être, oui, parce qu'encore, on a un bicaméralisme en Côte d'Ivoire. On a des sénateurs 99 qui font le même travail
que les députés. Et donc, il faut revoir cela. Vous voyez, en France, par exemple, on a 577 députés pour 65 millions d'habitants. Le ratio est d'un député pour 130 000 habitants. Alors qu'en Côte d'Ivoire, le ratio, c'est d'un député pour 80 000 habitants. C'est énormissime. En 1980, par exemple, on avait 8 millions d'habitants pour 147 députés, c'est-à-dire le même nombre de députés qu'a aujourd'hui le Mali avec 20 millions d'habitants. Il faut revoir cela. Tout cela participe de la gestion rationnelle des fonds publics. Merci, monsieur Kouaou. Geoffroy Julien, je rappelle que vous êtes juriste et politologue, écrivain. Vous nous avez fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous ce soir sur le plateau de Live Talk. On aura certainement d'autres occasions de vous avoir sur notre plateau. Encore une fois, merci à vous et à toutes nos équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Nous, on vous retrouve demain sur ce même plateau-là pour d'autres sujets d'actualité. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Ja, 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 ja.